Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. L'événement que raconte ce récit, c'est l'Annonciation. L'annonce faite à Marie que son enfant sera l'enfant Dieu. C'est un récit qui a été expliqué des millions de fois, qui a été représenté par les peintres des milliers de fois. Des théologiens ont écrit des kilomètres d'ouvrages là-dessus. Et ce qu'il nous faut essayer de faire, c'est de retrouver dans sa simplicité ce que dit là l'évangéliste Luc, qui est beaucoup plus ténu, en même temps beaucoup plus émouvant. C'est l'histoire d'une jeune femme, qui a fait confiance, qui a cru au rêve de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'ange fut envoyé par Dieu, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille. Ça veut dire que l'histoire commence par une expérience visionnaire. Marie a une vision. Et elle a la vision d'un ange qui vient lui apporter un message venant de Dieu. L'Ancien Testament raconte beaucoup d'expériences visionnaires. Ce qui est inhabituel ici, c'est que la vision n'arrive pas à un homme, par exemple un homme que Dieu appelle pour être prophète, mais que la vision arrive à une jeune femme. Une jeune femme qui n'est ni belle, ni princesse, ni cultivée, ni riche. Une jeune femme parfaitement ordinaire et dans une ville insignifiante, la ville de Nazareth, qui n'est jamais citée dans l'Ancien Testament. Au fond, Marie, c'est Madame Tout-le-Monde. Et cette jeune femme entend l'ange lui dire « Tu as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Ce qui veut dire « Dieu est proche de toi, Dieu t'a choisi. » Mais pourquoi? Elle est troublée, évidemment, en se demandant pourquoi. Et ce que lui révèle l'ange alors, c'est qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu, elle va enfanter un fils. Mais ce fils va être très particulier, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Là on pense, on se souvient du fait que Joseph est de la lignée, de l'ascendance de David. Donc, pas seulement la naissance d'un fils, mais d'un fils qui va être très très grand et par qui Dieu va réaliser son antique promesse d'être présent là au milieu de son peuple. Toutes les mères rêvent que leur enfant sera roi, que leur enfant sera
beau et puissant. Mais là, c'est pas Marie qui rêve, c'est Dieu. C'est Dieu qui rêve pour Marie et pour l'enfant de Marie. Et c'est Dieu qui lui annonce que cet enfant à venir va accomplir des promesses depuis longtemps faites au peuple d'Israël, avec un règne qui n'aura pas de fin. Qu'on annonce à Marie qu'elle ait un fils, peut-être, mais que ce fils sera l'icône de Dieu, sera l'image de Dieu, sera la parole de Dieu, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale? La réponse de l'ange est une réponse tout à fait énigmatique. C'est une réponse qui est une image et qui reste complètement dans le flou. Pourquoi? Parce que pour expliquer un mystère, il faut utiliser une image. Mais une image qui évoque, une image qui dit quelque chose sans décrire les choses. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On n'en sait pas plus. Il ne faut pas tellement chercher à savoir plus. C'est un mystère. Ce que l'ange promet, c'est que l'Esprit Saint, qui est un peu le véhicule de la puissance de Dieu, va venir et que la puissance de Dieu la couvrira de son ombre. C'est-à-dire, Dieu ne va pas la rencontrer, la toucher. Dieu va la rencontrer, va agir sur elle à distance, un peu comme le soleil agit à distance en projetant son ombre. C'est très subtil, c'est très fin. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël a avancé dans le désert et Dieu l'a conduit. Mais comment? Par une nuée, nous dit le texte, l'Ancien Testament, par une colonne de brouillard. Dieu était là, visible mais invisible, présent mais caché. Et de la même manière ici, Dieu, par sa puissance, va intervenir comme le soleil qui projette son ombre, à distance, présent mais voilé. On ne mettra jamais la main sur Dieu. Mais ce qui est dit là, c'est que Marie va être l'objet de l'intervention de Dieu. Et c'est pour ça que celui qui va naître sera saint et qui sera appelé fils de Dieu. Il faut bien lire, hein ? Il sera appelé fils de Dieu. Être appelé fils de Dieu, ça veut dire être le représentant de Dieu, être l'icône de Dieu, être celui par qui Dieu va se dire comme jamais il ne s'est dit, celui par lequel Dieu va se montrer, va parler comme jamais il a parlé. Une transparence de Dieu au travers de cet homme. Voilà, voilà ce que Dieu va promettre. Ça, c'est le mystère qui est dit à Marie. Alors, n'essayons pas trop d'imaginer comment ça se passe, parce que le plus important, c'est que Dieu le réalise. Et Élisabeth aussi. Élisabeth, la cousine, qui est vieille, va avoir un enfant, alors qu'on la disait stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et le miracle absolu, il est là, c'est que Marie accepte d'être celle par qui le rêve de Dieu devient réalité. Marie accepte d'être l'espace dans lequel le rêve de Dieu prend corps. Thank you.